Alors, je peux fuir. Là, j'ai la Là, place pour fuir. carrément, t'as un boulevard pour t'enfuir. C'est bon, là. Donc tu Allez, pars, il y a peut-être une hop! quinzaine de regards qui t'attendent derrière. Ils sont derrière en faisant. Allez, 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 il y en a un qui va sortir. Quatrième set of quatre. Attends, j'entendrai dire. Je balance un masse heal. C'est pas une mauvaise idée. Un mass hypnosis. Une utilisation d'énergie. Alors attends, parce que le mass heal machin, il y avait un truc, non? Non, non, Voilà. celui du 3, c'est instantané, et c'est tout. Mass healing word. Donc Ça tu fais un soigne dé... pas les Alors undead. tu fais regagner un D4 plus Plus ton spell 4. ca... plus ton un D4 plus 4 à tout le monde. Et c'est une bonus action, donc ça veut dire que tu as encore ton action normale derrière, Eric, au cas où. Voire si Ah, tu... bah je vais pas. Non, Bah. mais je te le dis, c'est une bonus action. Ah, ok. Ah, bah c'est super ça. En fait, c'est plus un espèce de truc d'urgence, en fait. D'accord, bah alors c'est urgence, alors je le fais. Ok, bon, d'accord. Il te restera toujours ton action derrière, au cas où. Ouais. Oui. Ok, ça marche. Je te rappelle aussi que tu as... Tu peux... Mais ça l'a pas fait, c'est con. Balance... Bah, voilà. Vous regagnez tous 8 points de vie. Ouais, c'est bien ça. C'est pas automatique, il faut qu'on les. Il faut que vous les rajoutiez, machin, donc ça Non, veut ça dire... les a rajoutés, je crois. Parce que Gambit, Non. il est plus rouge, il est orange. Ah, si, si. Non, 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 parce qu'il a pris la moitié des dégâts tout à l'heure, c'est je bien à pense. 17, le fameux Ah, ok. 17, là, il faut que j'enlève. Donc Mettre de 17, tu te retires 8. 26, 8, ah, 26, alors, 8, je attendez, sais parce que moi, il faut que je m'enlève plus. mes sorts. Alors, c'est un sort de quoi? C'était un sort de niveau 3, hein, par contre. Hein. Ouais. Ok. Bah, je rebalance une Guiding Bolt, alors. Hein? Oui, tu peux. Ou oui, tu peux. Dans sa Oh. mouille. Ça passe. Allez. Là, ça va. On va se Alors, on calmer. t'entend moins maintenant, c'est bizarre. T'as peut-être changé de. Ah T'as oui. changé. C'est parce que Eh j'ai fait ben. un bisou à mon fils. 17 points de dommage sur le Wraith. C'est pas mal? Oh. Est-ce que tu te déplaces, Eric? Saloperie, il est toujours pas mort. Ouais, ils sont costauds, hein. T'as l'avantage pour le taper maintenant. Oui, Donil, t'as l'avantage. Tazul, t'as l'avantage pour taper D'accord. effectivement sur ta première Non, pas attaque. Tazul. Donil. Denis, oui. Pourquoi Denil? Bah, Parce que c'est je lui. tape sur Oui, Hilda, moi. oui, sauf si Denil, sauf si On n'est pas Tazul veut y aller. exactement au même endroit. Enfin, faudra déjà que je me débarrasse du premier. Oh, tout de suite, ça fait bien français, ça a toujours dans les problèmes. Hein. Allez hop, un coup de hache déjà. Ils ont pas marqué? Voilà. Non, Ça, ils ont pas marqué. c'était la Oh, les première. salopards de putain de boche! Pardon. Et hop, la deuxième attaque. Ils ont Putain, à marqué? 95e minute, ils marquent 2-1, ils gagnent 2-1, ces enfoirés! Ah bah oui, mais ça, Que c'est les Allemands. je les déteste, et bien des Je Allemands pour. déteste, ah, il m'énerve. Hein. C'est bon pour moi. Ah, mais qu'est-ce que c'est honteux! Tu fais mes deux Bon, attaques. bref. Donc, tu as fait tes attaques. Est-ce que tu fais autre chose ou pas? Non, je reste là. Ok, ça marche. Gambit. Moi, j'essaie de continuer à bourriner celui qui est devant moi. De toute façon, j'ai pas Ok, trop le ça choix. marche. Hein. Où est mon truc? Toi seul le sais. Oui, hein, vaut mieux pas Bah, c'est au savoir bout ça. du machin en général. Hein. Ben, c'est ça, en général, c'est par là que ça se passe. Allez. Hop, hop, hop. Et Et ben voilà, puis, et ça ben touche. re, allez, hop, allez, adieu. Ah, Pouf! c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, on lui colle sa deuxième petite derrière la tête, mais c'est moins efficace. Ah bah Ah bah oui. Eh merde. ben non. Point, 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 point. Moi Est-ce que j'ai tu te déplaces? fait une table pour les critiques et puis les miss. Oui, alors ça, c'est ça. Comment ça, t'as fait Ah. une table pour les critiques? Ouais, quand tu fais des automatiques miss, tu. Ah, J'ai il se fait une passe un petite truc? table, bah oui, forcément. Ah, C'est plus t'es drôle. malin, t'es méchant. Ouais. Denil. Je Denil, maintenant, découpe. il est survolté, Denil. Ouais, je la découpe là, bref. Allez, maintenant, alors, donc ta première attaque, c'est Frostbrand Slayer, et la deuxième, c'est Frostbrand normal. Voilà. Et j'ai Allez. l'avantage. Et tu as l'avantage. Oh Et tu la touches. Bah oui. vache. Donc là, tu lui fais ses dommages. Tu lui fais tes dommages. Ok. Maintenant, tu fais ta deuxième attaque, où là, tu n'as plus l'avantage. Ok. Ok. Go. Touché ou Ok. pas? Oui, touché. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je l'ai pas, j'ai Oui, cliqué tu l'as pas mis sans. sur. Mais tu as fait 16, donc tu la touches. Ok. Fais tes dommages sur elle. Ah Oui, voilà, voilà. ça c'est Eh ben, bien. elle est, tu l'entends un.
espèce de bruit atroce. Elle est vilaine. Du coup, elle s'effondre dans une espèce de tas de cendres, c'est atroce. Est-ce que tu veux faire quelque chose maintenant? Tu as quand même ton mouvement au cas où. Qui c'est qui est le plus mal des deux? Alors, pour info, les putrides haunt, l'air de rien. Je ne sais pas ce que c'est. je cherche à savoir ce que c'est, si c'est des morts vivants ou pas. Putride déjà, ça commence mal. Ça commence bien, ça peut être n'importe quoi. Bah, vu comment c'est apparu, ça a l'air. Ça peut être un mec de la République en marche, hein, ça, des trucs comme ça. Aussi. ou des insoumis machin. Aussi. On saura que c'est un gros tas de caca, mais c'est pas un mort vivant en tout cas. C'est pas un mort vivant. Non. Il est pas undead. Enfin, non, oui, il est pas undead. Donc, du coup, est-ce que tu te déplaces, mon ami Denis? Oui, je me déplace comme ça. Là, voilà. Allez, ok. Ça marche. Putrid Haunt 1, il va essayer de taper. Pourquoi elle a pas disparu, Hilda? Oui, parce que je la laisse, parce que j'ai envie de la garder pour le moment. Parce que vous vous dites qu'elle pourrait peut-être revenir. Elle est inconsciente. Oui. Elle est pas morte, en fait. Elle est pas morte. Bien sûr. Paf, elle trate le putride. Le putride 2, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah lui, il touche par contre. Oh putain, c'est pas vrai. Bah si, t'as fait 20 tout à l'heure, t'allais pas l'emmerder. Hein. Voilà. Et du coup, Hilda, elle est toujours au sol. Kedwick. Bah, les États-Unis, on va finir. Je. Ah, ça fait plaisir, hein. Putain, ça fait plaisir. Je charge. Putrid Haunt 2. Hein? Je le charge! Ah bah vas-y! Il me fait peur. Prochaine fois. Vas-y, tape-le, fais-lui la nique. Ouais, bah, t'es aussi doué que moi. Hein. Et je mets ma bonus machin. Ah, tu lui colles. Ok, ça marche. Ah, ça c'était pour lui faire croire, tu vois. D'accord. Voilà, là il a mis mieux. Un coup dans sa face, là, tu vois. Là. Ok. Donc tu l'as tapé, c'est cool. Ça marche. Suivant. Est-ce Tazuil. Tu en profites. Allez. J'y crois sur deux attaques, j'avais quand même réussi. Morsi l'œil. Ah, ça touche. Hop. Je pourrais faire autre chose que ça, quoi. Ouais, je crois, ouais. Allez, la deuxième attaque. Ça passe. Tiens, ça passe avec des chiffres. Ouais, mais... Ça passe. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà. Tiens, je pense... Gambit, au moment où tu... ça va être ton tour. Oui, au moment. Vous entendez, mais un espèce d'énorme paix. Oh, truc ça y est, atroce. Comme par hasard. C'est le truc le plus atroce que vous ayez jamais senti, vu de votre machin. Ça fait un bruit de malade. Et du coup, vous pouvez tous faire un save de constitution, s'il vous plaît. Alors, je vais utiliser... C'est comment C'est pas un undead. Le save de constitution, non. Ah oui, c'est juste à cliquer, voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, t'as juste à cliquer. Okay, oh putain inspi, hein. Vas-y, clame ton inspi. Ok, donc tu réussis. Donc, tout le monde réussit, sauf... Ah, sauf moi. Bah, oui. Point. Le plus costaud. Ouais, mais il est plus bas aussi, alors l'odeur est plus forte. Donc... c'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors... attendez, il faut que je fasse ça. C'est du gaz très lourd. C'est du gaz lourd. Oh, le gaz. Allez, vous prenez... Tazul, tu prends 8. Ok. Ah oui. Les autres, vous prenez 4. Ah oui. Ah ouais. Une espèce de truc d'acide, c'est affreux. Ça vous brûle. Vous êtes dans votre jus. Gambit, à toi. Un mauvais trip. Et on rajoute 4 dans Wood, c'est ça? C'est ça. C'est ça, monsieur. Ouais, je le finis. Mm-hmm. Peut-être. Et sinon? Je le touche ou pas? Non. Ah non, non. Oh, merde. Con, ça. Bah oui, mais non. Bah j'en colle une deuxième, alors. Bah oui, vas-y. T'as pas le choix. Bah, oui. Incroyable, ça. Bah tiens. Pénible, ça. Tu vas mourir. Voilà. Oh merde. Ah, ça touche. Ah si, ça passe. Ça, j'ai fait 3 et 5 quand même. Hein. C'était quand même assez minable. Putride 2, il est mort. Hein.
Oui, Putrid 2, il est mort. Tiens, hein. Poubelle. Et Putrid 1 aussi. Il vient d'être fini. Aussi. Donc, du coup, vous êtes encore dans cette odeur et vous entendez le bruit de l'autre côté, comme s'il y avait quelque chose qui se mettait à bouger, qui s'agitait, en fait. Dans l'autre pièce. Truc comme ça. Pousse-toi. du coup, effectivement, vous entendez du bruit. Une espèce de gros bruit de pas, en fait, qui ont l'air de se rapprocher de là où vous êtes. Ouais, ben écoute, je prépare mon arc. Hein. J'en profite, je prends une potion de soin assez rapidement, okay. Avant que ça arrive. Du coup, quand ça arrive, en fait, ce que vous voyez... Alors, attends, Moi, je me fais un cure wound, t'as raison. Hein. Attends, vous avez un rune, vous faites quoi? Ouais, moi, vous en avez deux. Je prends une potion. Je fais un repoulon. Ok, dans l'ordre. Kenwick, vous avez deux runes, tu fais quoi? Moi, je dilais mon action en attendant de voir ce que font les autres. D'accord, ok. Gambit. Potion de soin. Vas-y. C'est combien? C'est 2D de 4 plus... C'est marqué dessus, c'est comme le porcelet. Ouais, dis donc. 2D 4 plus 2. 2D 4 plus 2. Mais moi, la mienne était spéciale, je crois. Elle faisait 8 des 4 plus 6, c'est ça? Un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu as regagné 8 points de vie. Oh, joli. Denil, que fais-tu? Cure Wound sur moi-même. Ok, vas-y. Alors, c'est un sort de premier niveau, ça? C'est ça, tu crames un sort de niveau 1. Okay. Et en fait, si tu cliques sur la petite loupe, sur ta feuille de perso, oui. Et tu drag and drop le bouton du heal sur toi... Attends, je vais le faire. Voilà. Tu auras gagné 6 points de vie. Tazul. Ah bah, je bois une potion de soin. Vas-y. Allez, hop. Voilà. Ok, donc tu as regagné point de vie. Kedwick. Bah, je vais soigner Tazul. Ok, ça marche. Ah, merci, Kedwick. Ah bah non. Bah non, je peux pas. J'ai plus de soin. Bah. Ah merde, c'était ça le truc. Ah, le truc. Il a pas beaucoup de sorts. Tu peux faire un cure wound en cramant un sort de niveau 2, je te rappelle. Hein. Ouais, mais là, il te manque combien, Tazul? Beaucoup. Il lui manque 35. Il lui manque 35 points de vie. Ah ouais, quand même. J'ai pris cher. Hein. Puis je peux partir au combat. Je peux pas partir au combat vaillant non plus. Hein. J'avais déjà 28 points de vie en moins. Alors, ah oui, mais là, le problème, c'est que du coup, comment je fais avec le drag and drop? Parce que là, c'est un D8, et si je crame un sort de niveau 2, regarde, c'est 2 D8. Alors, il y a toc. Comment je le rends 2 D8, en fait? Attends. Laisse-moi faire Cure Wound. Slot 2. Attends, je vais faire ça comme ça. Slot 1. Et là, en fait, on va faire... Oula, qu'est-ce que tu me fais? Ah oh là 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 là. Regarde. Tiens, maintenant tu l'as ton 2 d8 plus 4. Ouais. Si tu... ouais, d'accord, je vois le genre. Ah, t'as scripté? Non, j'ai rien scripté du tout, j'ai écrit. Oui, il faut. Ah, ok. Donc il regagne 15 points de vie. Ah, bah voilà. Merci beaucoup, Galvis, ça me fait du bien là. Ah, ça, puis c'est dit si gentiment. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Hop. Deuxième round? T'as dit deux rounds. Deuxième round. Je vais me cacher. Ok. Tu veux un ride? Et moi, je fais un repos long. C'est ça. Ok, Kenwick, toujours ça. Bah, tu choisis, mais garde tes sorts en tête. Hein. Ah, mais merde. Pardon. Bien. Non, parce que du coup, en fait, je m'en suis enlevé deux là pour le truc. Bah, tu t'en machin? Ouais, non, mais c'est parce que j'avais coché un 1 et un 2. Ah, d'accord, okay, juste ça un marche, 2, pas de soucis. En fait. Donc, Kenwick, tu fais un truc ou pas? Donc ça vient de là-bas, bah ouais, je vais me mettre par là aussi. Ok. Denis, les chutes, bon sang, tu vas te repérer. Bah Denis, moi j'aimerais bien le voir pour faire un Hunter Sense. Croire. Ah, pour faire Hunter Sense dessus, oui. Ouais, mais bon, je vais pas non plus. Ok, Tazul. Je me marque là. Moi je vais me mettre en plein milieu, je vais l'attendre avec ma hache dans la main. Ça marche, donc quand le truc apparaît, a priori c'est un géant. Mais mort-vivant.
Non, pas mort-vivant. C'est merde. Et le mec, non mais. Non, ce n'est pas un géant mort-vivant. D'ailleurs, ils ont pas osé mettre suppo, ils ont mis upo. Voilà. Donc, c'est un espèce de... Alors, le géant, en fait, est assez atroce. Hein. Pour être clair, au niveau de la pioche, alors je vais essayer de vous trouver une image. Je ne vous garantis rien, mais si je le trouve, ça serait super. Il ressemble à ça, en fait. Oh putain, l'image. Bah, vous la voyez, vous? Bah, disons que. Ah oui, elle est grosse. C'est lui qui peut être comme ça, là, wesh. C'est lui avec. Non, et en fait, corne. Il a une espèce de corne dans les mains et des vers de terre. Il ressemble à ça, il est atroce. Il est. Quelqu'un parle la langue des géants? Bah, moi, couramment, ouais. Non, mais sérieusement, il y en a un qui fait géant dans. Je crois. Ah non, moi, je vais géant, troisième langue. Bah, c'est pas Tazul? Non, moi, j'ai le commun et le nain, moi, j'ai rien d'autre. Donc, c'est un espèce de. C'est dans Abilities. C'est dans Abilities. Dans Abilities. Tu as regardes tout en bas. Ah, c'est je l'ai, moi. C'est pas géant. Tu peux faire un jet de. Fais un jet d'intelligence. Oula. Ah, bah oui. Et ça commence pas bien. Et ça, c'est. Je clique juste sur intelligence. Ouais, tu fais double clic sur intelligence. Ok. Donc, c'est un géant des collines. Tu reconnais le truc, hein, quand même. Tu penses qu'il n'est pas normal dans le sens où tu ne serais pas surpris qu'il soit infecté ou mutantisé presque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et qu'il n'est pas très, joli. Pour être tout à fait clair. Pour info, les trucs putrides là, que vous affrontiez tout à l'heure, ils ressemblaient à ça. Hein. Le géant, on dirait moi, il y a 10 ans. C'était dur. Mais ça, c'est pas un mort-vivant, ça, ce truc-là. Non, c'est pas un mort-vivant, c'est un espèce de gros caca, mais c'est pas un mort-vivant. Du coup, il arrive, donc il a son espèce de corne, il fait du bruit et il avance effectivement vers vous en faisant des borgoiries. Il y a des vers de terre à ses pieds. Oui, des asticots, c'est assez atroce hein, quand il se déplace. Vous pouvez même. Alors, attends, on va faire un autre truc parce que c'était pas vraiment le fond. Je vais clear les initiatives et vous allez en refaire une. Si. Refaire une quoi? J'ai pas entendu. Initiative. Puis moi, comme je suis épuisé, ben voilà quoi. Et yes. Donc, juste que rien de nouveau sous le soleil, nous avons le si Gambit qui a pas fait. Ah si, j'ai lancé. Bah non, tu l'as pas lancé, sinon ce serait marqué dessus, c'est comme pour salut. Bah, j'ai fait 10. Tu l'as fait trop tôt, je pense. Tu l'as fait trop tôt, il n'avait pas encore. Voilà, ok. Donc, bon. Gambit est le premier. Encore ? Eh ouais. À toi. Cool. Donc, on va considérer que je m'étais un peu avancé, sinon je vois pas comment j'aurais pu le voir. Oui, ouais. Ok. il nous a repéré, il avance vers nous ou... Ah oui, il avance et. Clairement. Il avance, vous avez entendu se déplacer. Tout à l'heure, oui. D'accord. Eh ben, je profite il, de la distance. Il avance pour, même. Pour, il, est même pour lui. Il fait même de la propulsion à réaction, quoi. Il va assez vite. Je plante une de mes épées au sol et puis je charge mon arbalète, mais ça va me prendre un round, ça, non? Non. Connerie, non? Non. J'ai une arbalète à main. Ok, ben je shoot à l'arbalète. Je vise bien. Je shoot. Il m'a repéré, il m'a pas repéré. Tu sais pas, t'as l'impression qu'il regarde quand il regarde dans la pièce, il regarde avec un air si de. S'il m'a pas repéré, je peux le sniper, donc ça veut dire que je peux rajouter ma sneak. Non, et sinon, non. Attends, il a une perception. Il va faire un jet de perception éventuellement. J'ai fait un hide à l'intérieur, mon frère. Bon. Non, c'est bon, il t'a pas vu. Je peux essayer de sniper, quoi. Ouais, bon, un autre jour, alors. Donc, c'est tout. Tu fais quelque chose d'autre ou pas? Moi qui ai une assez de merde. Je me recule un peu. Et puis, je récupère mon épée. Voilà. Je balance mon arbalète de merde. Ok. Denil. Hunter Sense. Ok. Alors, tu fais Hunter Sense dessus. Donc, de mémoire, je ne sais plus ce que te donne Hunter Sense, mais on va revoir ça tous ensemble. Donc, voilà. Hunter Sense... tu choisis. Alors tu vois, c'est damage immunity, c'est résistance et c'est vulnérabilité. Dans le cas où il n'a rien, tu voilà. Bon, alors
Il n'a aucune. Il est a priori immunisé au poison. Ok. Ouais, presque voilà. Évident. Et aux maladies. Voilà, il est immunisé au poison, il a aucune autre résistance, aucune faiblesse au-delà de ça en fait.